Allô? Ah, c'est toi, maman. Ben, j'ai tout, la brosse à dents, le sac, le capot. Et non, je plaisante. De toute façon, je m'en sers jamais, j'ai horreur de ça. Cette année, j'ai besoin de me reposer. J'ai vraiment besoin de faire un break. Là, je deviens folle! Fais ton break tranquille. Non, j'ai une idée plus marrante. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est une surprise. Exactement comme sur la photo. N'importe quel hôtel, sinon je rentre à Paris. Il est comment l'hôtel? L'hôtel? C'est ravissant. Bonsoir, vous n'avez pas vu Lulu? Ah non? Pas facile de vivre avec quelqu'un qui se tape tout ce qui bouge, vous savez. Ok, l'inverse, c'est pas facile non plus. Je suis le mari. Il est fou, je vous dis. Julie, tu vas te calmer, toi, maintenant. Il faut que tu fasses un effort. Ouais, je sais. Quel boulet. Merde. Je veux mourir. Quelqu'un est assez timide, en fait. Excusez-moi, mais vous avez quelque chose de prévu pour le dîner? Tu es? Je sens que c'est le bon. Tu dis ça à chaque fois. Tu m'as dit que tu m'aimais. Tu le pensais vraiment? Évidemment, je le pensais. C'est qui celle-là? C'est la suivante? Ne prends pas comme ça. On la baignoire. T'es vachement romantique après l'amour, toi. Faut que j'appelle ma mère. Mais tu te fous de ma gueule? Ça va, Kevin, tu t'en sortiras. T'es un grand garçon maintenant. Je me suis toujours demandé quel effet ça faisait quand. Quand ils jouissent partout comme ça. J'aimerais bien avoir un orgasme masculin. Oh putain. Juste une fois, comme ça, pour voir. Moi j'aimerais bien avoir un orgasme féminin, juste une fois, comme ça, pour voir.